fameux ça. Bon, nouvelle journée. Nouveau départ. Oui, excusez-moi monsieur. Ou madame, je sais pas. On va aller découvrir notre nouvelle ferme. Enfin ma nouvelle ferme. Aujourd'hui. Que j'ai acheté. Cette fois-ci en réel. Car je ne l'ai encore jamais vu. Allez hop. Attends que le monsieur y passe. Bon, normalement, aller dans le village. Mais je l'ai. Hier soir, je suis arrivé de nuit. Donc, je n'ai pas pu encore me repérer. Normalement, elle doit être dans le village. Il y a quelqu'un. Non. Hop là. Ah bah elle doit être juste en face que je vois un tracteur. Je vais aller voir ça tout de suite. Bon, on voit rien du tout avec ce mur là. J'espère qu'il n'y a personne. Ok, c'est bon. On est parti. Ok, donc ouais, c'est cette ferme là. Je reconnais quelques bâtiments que j'avais vus en photo. Hop là. Le petit Renault, ok. C'est parfait. Hop, donc du coup, on va regarder quand même un minimum. Comme ça, après, on ira dans l'autre ferme. Donc la petite presse, le petit JCB, les quelques potes qui restent. Il va falloir qu'on fasse les foins et tout, ce qu'il n'a pas encore fait du coup. Les moissons et tout. Les vaches. Ok, il y en a deux là. Les autres doivent être. Est-ce que je peux les voir depuis là? Non. Je n'arrive pas. Voilà. Elles sont là. Les petites vaches. Ok, ok, parfait. Oh, yes. Hop. Donc, il y a la plupart du matériel que je vais vendre. Donc, la presse. Le 14-5, le 12-55, je crois, c'est la faucheuse, le semoir, la faneuse, le petit Ford, la masse, le combiné, le petit indéneur aussi, le Renault, je pense que je vais le garder. Ça, je vais y vendre. Non, 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 ça, j'y garde. Parce que si je fais des livraisons de paille, si je veux en vendre un peu, ça peut toujours servir. Ouais. Et bah, ouais. Je pense que ça, je vends, puis voilà. Ça, je garde que la ferme et le matériel qui va me servir. Donc, pas tout 12 matériel va me servir, télescopique aussi. Celui-là et la mélangeuse, oui, parce que pour les vaches, il faudra bien que. Ça qui est un tracteur ici, la pailleuse pareil, et puis voilà, puis faucheuse, ballon, j'en ai déjà commandé qui vont arriver dans l'autre ferme. Donc voilà, allez hop, on va monter par la carriole et on est reparti. Hop là, et on va aller direction l'autre ferme. Pour du coup aller un peu la voir, manger un coup, et puis après on va recevoir le matériel aux alentours de 15h, enfin les premiers matériels, et après le reste ça arrive dans la nuit. Donc après le reste on verra demain. Bon allez, direction la ferme. Hop là, c'est bon, on est arrivé. Donc normalement c'est ici, ouais c'est ça. Je reconnais un peu les bâtiments qu'il m'avait décrit. Donc le propriétaire n'est pas là, mais puisqu'il a un peu de problèmes de santé, donc il m'avait dit de toute façon que je pouvais venir, et que de toute façon dans tous les cas, si la ferme me plaisait, que je pouvais, que j'ai juste à lui dire, et que je pouvais déjà commencer à amener mon matériel dedans. Donc de toute façon je lui avais dit, envoyer un message que j'étais déjà venu faire un petit tour, voir quand même si elle était bien positionnée et tout. Donc je vais déjà envoyer un message, donc je pourrais directement mettre du matériel dedans. Enfin, en tous les cas, le matériel arrive dans pas longtemps.
car j'ai commandé un peu de matériel, hein. Il y en a un peu d'occasion dans l'autre partie de la ferme, là j'ai commandé un peu pas mal de matériel. Voilà, il arrive aux alentours de 15h, je suis venu un peu plus tôt, je pense qu'il va pas tarder à arriver. On va attendre qu'il arrive, et puis voilà, on va attendre qu'il arrive, mais je crois qu'il reste encore du gasoil en plus, donc c'est parfait. On va ouvrir un peu les portes. Ah, putain, elle grince un peu celle-là. Putain, qu'on y graisse quand même. Mais celle-là, je crois que oui. Il m'avait dit qu'il y a des portes qu'on pouvait pas. Ah bah tiens, il arrive. Il est là. Et je dis il, je connais même pas qui c'est, mais oui. Je vais aider à désengler. Bon, je vais pas pouvoir lui parler puisque. Il fait du bruit son camion. Ah non, non, du coup, il a déjà tout désenglé. J'avais commandé, ouais, un cold gender, un petit fent. Donc ça c'est le oula, oula le smore. Ça c'est le premier plateau. Je lui avais dit d'amener où il y avait déjà des tracteurs. Oula. Bon, du coup il déchargeait deux matériels. Il va les mettre à poser là. C'est parfait. Hop, on va attendre qu'il arrive. On va aller fermer la porte juste là. Hop là. Voilà. 10 mois, je crois que c'est un 6 mètres. En plus, ils ont mis la plaque convoi agricole. C'est parfait. Normalement. Oh, ils n'avaient pas accroché le cardan. Parce que sur les routes, normalement, ils accrochent pas trop. Attends, je vais essayer de l'accrocher. Voilà. Il est flexible. Ouais, on va laisser accrocher. Ah. Bah, du coup, il m'a amené le. Ah, mais du coup, il y a le combiné qui est là. Hop là. Parfait. Hop. La petite chargeuse. Putain, il bip lui, c'est chiant. On va aller voir si on peut se retourner là-bas. Attends, on va se retourner dans le prix là. En plus, il m'a dit que c'était à nous. Enfin, à lui. Donc, du coup, c'est à moi. Hop là. Hop là. On va aller ranger où celui-là? On va le ranger par là, je pense. Ah bah non, j'ai sûr on va le ranger. Hop là. Parfait. On l'arrête. Parfait. Et voilà. On va le laisser là. Hop là. Et bon, on est parti. On va aller à l'autre ferme. Je vais pas passer par ce chemin-là parce que je vais me perdre. Je connais pas trop encore. On demandera à mon pote quand il sera revenu parce qu'il connaît un peu plus la région que moi quand même. Et puis voilà. Donc on est parti. On va aller à l'autre ferme voir nos petites bavaches. Et puis voilà. Ferme ça. Nouvelle journée. Bon, hier on a reçu 2-3 matériels et tout. Donc aujourd'hui normalement tout le matériel est là, à part un camion que doit m'amener le patron. Puis aujourd'hui on a cherché surtout les bennes. Là il m'avait dit le gars que je pouvais venir ce matin de bonne heure. Hop là. C'est pour ça on va y aller tout de suite. Attends, je vais me retourner ici puisque je vais passer par là. Hop là. Parfait. Allez, on va chercher un tracteur. Normalement, c'est 7h, 7h15. Donc, tant que j'arrive là-bas, ça va être 7h30. Ça va être parfait. Hop là. On va à la ferme. On va prendre un des tracteurs qu'il y a. Ou s'il y en a délivré. Parce que je crois qu'il m'en reste encore.
Avoir. Putain, ça va être à bordel à la ferme par contre. S'il y a plein de matériel. Hop là. On va rouler un peu doucement dans le chemin quand même. Hop là. Pas trop doucement quand même parce que on va rester pris. Et là, il y a mon pote, il est pas encore rentré de vacances si j'ai besoin de lui. Si je reste pris, ça va être un peu la merde. Hop là, oh putain, oh ils ont tout mis ça dans le prix. Hop. Hop là, on ferme la porte. Bon, on va juste aller voir le matériel qu'on a reçu. Après, on est parti. Donc, le pulvée, la faucheuse, l'épandeur en grès, la charrue, le massé, la faucheuse avant, la presse, ok. Et du coup, bah, il manque la tonne à lisier. Et puis, bah, ma herse, je crois, ouais. Ma herse de 6 mètres. Donc, ok, ça marche. Je regarde à peu près tout mon matériel. Donc, bah, du coup, je vais prendre le fent, je pense, ouais. Pour aller chercher mes bennes. Hop là. Et bon, je vais chercher une benne. Hop, chercher mes bennes pour pas trop faire d'aller-retour. Je vais aller m'arrêter juste en revenant d'aller chercher ma première benne au magasin, non, à la ferme pour m'occuper des vaches. Et puis voilà. Hop. On va y décrocher juste là. Et puis après, on est parti. Hop là. Hop. Putain, j'y arrive pas. Hop là. Troisième point, c'est bon. Voilà. Normalement, il aurait pas trop bougé. Je suis pas contre la pure, non, c'est bon. Allez, hop, parfait. On est parti, on va chercher la première benne. On va passer par le chemin d'abord. Puis voilà, allez hop, on va au magasin. Et après, on va s'arrêter à la ferme pour s'occuper des vaches. Bon, j'espère que ça va être un peu moins, ça va pas être trop long normalement en tracteur. Allez hop, direction le magasin. Bon, allez, on va bientôt arrive au magasin. Là, c'est la ferme normalement. Ok. Bon. J'espère qu'il est debout l'autre parce que sinon. Mais 17h30. Donc normalement, je suis à peu près à l'heure. Hop là. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Ah si, il aura le camion blanc. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de sauter après la machine. Hop là, bon, je vais descendre. Hop là, bonjour. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, je vais chercher mes bennes. Ouais, ton live, ça te souhaite. Parfait. Voilà. Bon, je prends une des deux, il n'y a pas d'importance de toute façon en première. Ça marche. Tu me l'accroches, non? De quoi? Tu me l'accroches? Ouais, t'inquiète. Ça marche. On va pas fermer la porte. Hop. On va accrocher celle-là. Parfait. Ok. C'est bon. Bon bah de toute façon je reviens chercher l'autre après. Dans 1 heure à peu près, parce que je vais aller donner à manger mes vaches. Puis voilà. Faudra que je t'emmène un tracteur à réviser dans la semaine, je te redirai. Bah si jamais il faut que je vienne le chercher avec mon papa, c'est vrai. Oh là, tout bah, de toute façon je te redirai si il faut vraiment que tu viennes le chercher, je t'appellerai puis tu viendras, mais sinon je l'amènerai je pense. Ok, Puis voilà. Bon allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop là. Bon, on est parti. On est parti, on est parti. On va essayer de pas se payer de machin. J'ai oublié de lui dire ça, quand c'est qu'il vient chercher le matériel.
lui ai dit que s'il pouvait. Je sais pas si c'est lui qui les récupère. Hop là. Parfait. Bon, on va s'arrêter. Donner à manger aux vaches et tout. Hop là, on va passer par là. On va donner à manger aux vaches, les pailler. Et puis tout. On va guérir la peine là, comme ça ne nous gêne pas. Hop là. Parfait. Bon, j'ai même pas mis le gyrophore, je suis bête quand même. Hop là. Bon, on va laisser ouverte. Ah bah. Bah tiens, parlons du loup. Je me demandais quand il est. Putain, mais du coup, c'est pas prêt. Oh, c'est pas gros. On va charger quand même ce qui est prêt. Oh, je pense qu'il va se retourner là-bas. Ok, parfait. Bah, du coup, je vais préparer un peu. On va charger le Ford. Hop là, alors. Parfait. Salut. Ça va? Ouais, on va bien et toi? Bon bah ça va, ça va. Je pense que tu viens chercher le matériel. Ouais. Qu'est-ce que tu nous ramènes? Ça j'en ai pas besoin. Tout ce qui est sous l'angle là, j'y mets. Enfin, si c'est pas en plein avant. Puis sinon après, si ça tient un pas, tu reviendras peut-être une prochaine fois. Il y aura la presse. Puis la presse, puis le 14-55, puis la faucheuse là-bas. Ok, bon, pas de soucis. On donc, si ça tient un coup. Ouais, on va déjà charger ça, puis je vais charger. T'as besoin d'être chargé? Hein? T'as besoin d'être chargé? Bah, je vais reculer. Bah, si tu me décrocheras les deux machins, ouais. Puis après, je t'accrocherai. J'irai chercher le smore, la faneuse, puis le machin. Ok, on fait comme ça. Ça marche. Hop là. Bon allez hop. C'est pas buter quelque chose. Hop là, on la porte. De toute façon, on le vend. Si ça se casse, c'est pas grave. Hop là, on va y mettre sur la plateforme là-bas. Allez, voilà là. Je vais bien baigner avec QL. Hop là. Hop là. Est-ce qu'il va arriver à me décoquer? Ok, parfait. Bon sens ça baigne, ça c'est pas gros. Hop là. On va aller mettre le smore. Oula. Parfait. Bon allez, on charge tout ça. Bah voilà, c'est fait. Ouais, bah. De toute façon, je redis à ton patron quand c'est que tu peux venir. Bah, de toute façon, tu viens quand il m'appellera bien un coup avant que tu viennes. Puis quand ça, tu viens. Oh, oui. Puis sinon, si je suis pas là, tu sais ce qu'il y a à charger, c'est la faucheuse, puis le tracteur là-bas, puis la presse. Ça marche. Puis peut-être même la fourche avant du tracteur là. Du Renault. Ouais, juste la fourche, le bâti de fourche, tu le laisses. Ouais. Puis voilà. Ça marche. Bon bah je te laisse rentrer, coup, là, j'ai sur les mes vaches. Ouais. Mais la presse, c'est celle-là. Ouais ouais, bah, de toute façon, normalement il n'y en a pas d'autres, à moins que j'ai pas fait gaffe. Ouais non c'est bon. Ok ça marche. Bon bah allez. Ouais, à plus. Ouais, à la prochaine. Ouais allez. Bon, c'était pas prévu qu'il y ait aujourd'hui, mais du coup c'est bien. Parfait. Salut. Bon, du coup, c'est parfait. Bon, il y a déjà un peu moins de matériel dedans, déjà, c'est déjà bien. Du coup, je voulais sonner mes vaches, donc on va y aller. C'est parti. On va sonner les vaches. Ouais. Bon, celui-là, j'ai réfléchi un peu, mais je pense que je vais le vendre. Comme j'ai déjà un Manitou, puis que, la plupart du temps, il va rester là.
On va, sinon on va le vendre, hein, ça peut toujours faire un peu de sous en plus. Puis sinon je vais jamais m'en, enfin, je vais pas m'en servir tant que ça, donc là il reste plus que du coup l'après, enfin le 1450, le 1255 XL, la faucheuse, la presse et puis là, du coup le Renault avec la fourche et tout. Donc voilà, j'ai dirai tout ça au patron parce que je suis pas là quand il vient. Ça va pas le faire. Du coup, bon, la mélangeuse est juste là. Je crois qu'elle est pas attelée, donc on va faire la mélangeuse en premier. Hop là. On va essayer d'attacher tout ça. Hop là. Parfait. On va regarder quand même qu'il n'y ait pas de... Putain, on dirait qu'il s'en est jamais servi, mais pourtant, ça fait déjà un moment qu'il l'a. Après, il l'entretient peut-être un peu... Il l'entretient bien, je pense. Je vais essayer de faire pareil parce que sinon je vais devoir en racheter une dans pas longtemps. Bon putain voilà, il fait un beau bizarre. Bon, on va pas mettre le gyrophare, ça sert à rien. Ouais, on va se mettre. Attends, par contre il est un peu petit on dirait, non, pour la mélangeuse. On reverra bien. On va se mettre prêt à rentrer dedans. Hop là. Hop. On descend, parfait. Non, peut-être mettre la prise de force en route pendant qu'on met les bottes. Bon, on va voir à vide si ça... Parce que là, putain, il doit en chier un peu quand même. Allez, hop, c'est parti. On va prendre donc une botte... on va mettre une botte de fond. Voilà. Hop là. Oh non, on va en sortir dedans au pire. Ça va bien aller. Oula les bottes. On va essayer de les faire tomber non plus parce que bon. Hop là. On va baisser un peu parce que il y a le toit. Hop là. C'est un peu compliqué. Mais bon. Hop là. On va pas trop. Grand chose non plus. Hop, on va mettre une botte de paille. Bon, ça c'est pas grave, c'est le ton parce que je vais les prendre après. Et puis ça va être mieux pour enlever les ficelles. Donc bon. Hop là. Hop là. Là, on va essayer de pas buter le toit. Hop. Les rétros, c'est bon. Et on va reprendre du coup une botte de foin. Hop là. Putain, j'essaie de voir en dessous de la fourche où je vais quand même. Parce que... J'essaie de pas trop buter le mur non plus. Hop là. Hop là, on va essayer de pas. Ça c'est compliqué quand même. Hop là. C'est juste, mais normalement, ça devrait être bon. Parfait. Hop là. On va poser ça juste là pour l'instant. On va pas l'éteindre hein, parce qu'on va l'éteindre juste après. Hop là. On va garder. Ok. C'est parfait. Bon allez hop. Donc, pour l'instant il a pas l'air de trop long chier. Enfin si, mais bon. On va bien voir. Allez hop. On va en mettre. Là. Parfait, ça se remplit. On va reculer de toute façon.
fait. Bon, les vaches, du coup, elles viennent toutes. On en fera une autre demain matin. Peut-être qu'on en fera une après, on verra. Ou ce soir, je verrai bien. Ça dépend de mon humeur. Paillé, elles en ont assez. J'en mettrai peut-être un petit coup demain matin. Si ben, c'est un peu trop sale, j'ai raclé un peu de fumier. Je l'ai mis là. Déjà, il y avait trop pour mettre dans la fumière. De toute façon, je vais y mettre au bord du champ. Ça va être beaucoup plus simple pour y prendre après. Bon, j'y ai posé un peu à l'arrache. On y mettra comme il faut plus tard, quand on aura le temps. Parce que là, on va bientôt préparer les foins et tout. Donc, on n'a pas trop le temps. On verra après. Hop là. On range ça. Parfait. Et puis du coup, non, c'est vrai que le fent, je l'ai déplacé parce que je vais faire un tour de clôture tout à l'heure dans le pré des vaches. Donc voilà, moi je vais ramener le fent à la ferme, ranger un coup la ferme, et puis demain on fera donc du. Je vais ranger la ferme, et puis demain on va, je pense, commencer. Les foins s'il n'y a pas d'imprévu, donc comme ça on sera bon. Allez hop, moi je ramène ça à la ferme, et puis comme ça on sera prêt pour demain. Demain matin je m'allèverai un peu plus tôt, je préparerai les faucheuses, et puis voilà. Bon allez, moi je ramène ça, je range la ferme, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Allez hop. Allez hop, c'est fini, on a rangé un peu, j'ai ramené les deux bennes, donc là j'ai plus rien au magasin, si j'ai mon ordinateur que j'ai fait réviser, mais sinon j'ai plus rien. Hop là, je vérifie quand même que tout est bien comme il faut, les cols c'est bon, normalement l'autre j'en ai pas mis, non c'est bon, parfait. Donc j'ai même mis j'ai même changé, eu le temps de changer mes pneus du R. Je les ai mis en pneus un peu châssis large, un peu étroit. J'en avais commandé avec. Puis j'ai attaché à la bineuse que je vais vérifier puis préparer pour biner le maïs. Parce que on a commencé à avoir un peu de mauvaises herbes. Donc comme ça, ça va être bien. Et puis voilà, je vais pouvoir fermer la porte là du coup. Ici, voilà, parfait. Bah lui je vais le laisser là, je vais fermer la porte. Hop là. L'épandeur je laisse ça parce que de toute façon je vais l'emmener dans l'autre ferme. Il me manque juste la tonalisée et la R2C-Mate à recevoir. Normalement elle arrive demain, il me semble. Donc ça va être parfait. Puis après donc on accrochera, je pense, soit le massé, soit le fent aux faucheuses. On verra bien, et puis comme ça ça sera tout bon, mais on fera ça je pense demain matin en attendant que le patron arrive livrer les deux derniers matériels. Hop là, c'est parfait, moi je vais me rentrer parce que demain matin je vais me lever assez tôt, comme ça je vais pouvoir aller préparer et faucher assez tôt. Je vais essayer d'en faucher une bonne partie demain dans la journée pour qu'on puisse faner après demain et presser un peu avant la pluie. Allez hop, on rentre. Bon là c'est 20h, ça va, c'est pas trop tard. Les vaches sont soignées. Et puis voilà. Allez hop. On rentre. On va se reposer un peu. Puis demain je vais essayer de faire en faucher le maximum. Je vais en faucher du matin au soir. Et comme ça, je vais pouvoir faner. Puis tout juste après. Hop là, y'a personne. C'est parfait.
On va se rentrer chez nous. Et puis voilà. Bon allez, on va se coucher. On va manger avant parce que j'ai faim. Et puis après, au dodo. Allez hop.